J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu. Donc cette vidéo je l'ai recopiée sur la chaîne de Amélie. Donc le scrap d'Amélie, en barre d'infos je vous mettrai le lien de sa chaîne. Tout simplement j'ai vu qu'elle avait fait des petites vidéos moi qui m'intéressaient. Donc on a parlé ensemble et elle m'a dit: Charlène, au contraire, fais-les, ça permet de partager, etc. Et elle était super contente que je veuille reprendre ses vidéos. Donc chose promise, aujourd'hui je refais une vidéo comme la sienne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 boutiques favorites que j'adore en scrapbooking. On va pas parler de la couture, en cas j'en ferai une la prochaine fois, mais bon, en couture j'ai pas énormément de boutiques, mais en scrap j'en ai plutôt pas mal. Donc la première boutique qui m'est devenue une favorite vraiment à mes yeux, c'est la boutique Scrap Colors. Pourquoi? Parce que déjà la rapidité, un truc de dingue. Il faut savoir que c'est des personnes qui font eux-mêmes tous leurs embellissements, les albums en bois, etc. Donc petit rappel, j'avais fait un tuto avec un album body en bois, donc ça vient de chez eux. J'ai fait plusieurs hauls sur ma chaîne, allez voir si vous voulez, si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne. J'adore cette boutique, ils font de tout, franchement ils font de tout, du papier, etc. Ils font une marque que j'affectionne énormément maintenant, c'est Mintay by Carola, et leur kit pour faire les albums est juste dingue. À l'heure que je vous filme cette vidéo, j'ai un colis qui va partir normalement aujourd'hui, parce que j'ai recraqué. Ouais, clairement je n'arrête pas de craquer sur cette boutique, les kits sont juste géniaux. Ils font leur découpe bois aussi pour plein de choses, des rouages, etc. Voilà, il y a de tout sur cette boutique et moi je l'adore, j'aime vraiment beaucoup cette boutique. C'est des personnes super, enfin j'ai l'impression super agréable, parce que moi je les contacte via mail quand je veux leur parler. Là je leur ai envoyé toutes les photos de mon album, j'espère avoir des retours très bientôt pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc vraiment c'est devenu une boutique que j'affectionne énormément, donc je la place en numéro 1, et les 4 prochains c'est varié, il y a pas d'ordre spécial, c'est que je les adore aussi. La deuxième boutique que j'adore, c'est Brico et Scrap. Donc c'est une petite boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est des personnes qui habitent dans 04 vers chez moi, donc ils sont à même pas une heure de chez moi. J'ai commandé qu'une fois pour l'instant sur cette boutique, mais je vais recommander très bientôt. Pareil, c'est arrivé très 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 bien emballé, et c'est surtout que c'est arrivé très vite et moi je ne sais pas attendre. Je n'aime pas du tout les boutiques qu'il faut attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois voire plus. Moi j'aime bien que quand je passe commande, dans les 2-3 jours après ça soit expédié. Oui je sais, je suis chiante, ce côté là vous le connaissez pas, mais je ne sais pas du tout attendre, et voilà. Et Brico et Scrap, j'adore. Et alors en plus, petite anecdote, donc c'est un homme qui a ouvert la boutique et c'est sa femme qui fait des vidéos sur YouTube, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous allez sur sa chaîne, et ben du coup, donc c'est Nina04 si je dis pas de bêtises, si vous allez sur la chaîne de Nina, et ben du coup elle vous fait voir tout le temps les nouveautés et tout, et c'est juste génial. Là je voulais commander la colle, donc j'attends, parce qu'il y a des choses que je veux commander, j'attends le réassort de colle. Je sais pas d'ailleurs s'il y a eu le réassort ou pas, faudrait que je regarde. Mais du coup, j'adore cette boutique. J'ai commandé qu'une fois, oui, ok, mais je l'adore. Après, la troisième boutique que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est Scrapbooking Boutique. Pourquoi? Parce qu'alors là, c'est le must du must du must en niveau chipboard et pour les mots. Moi j'adore les mots. L'album que j'ai fait bébé, j'ai mis des mots de partout. Tous les mots bébés que j'avais, je les ai tous mis. Voilà, j'adore ça. D'ailleurs, il faudrait que je repasse une commande. J'adore vraiment, pareil, expédié super rapidement, reçu super rapidement. Moi j'adore. Clairement j'adore, je suis fan de cette boutique. J'avoue que j'ai acheté une machine 3D pour faire moi mes mots, etc. Pour l'instant je n'y ai pas trop touché, parce qu'il y a des réglages à faire, donc mon frère faut qu'il vienne le faire, mais pour l'instant on n'a pas le temps, que ce soit lui ou moi on n'a pas le temps. Donc après c'est sûr que j'achèterai un peu moins de mots, mais moi j'adore le bois. C'est vrai que les chipboards c'est juste génial. Donc Scrapbooking Boutique, je l'adore. Et il y a aussi en quatrième position Scrap New Edge, pareil, qui est des boutiques de bois, voilà. Et moi j'adore ça, j'adore ça. Et les deux se valent vraiment. Moi généralement ce que je fais, c'est que je passe commande sur une ou sur l'autre, et passé un temps je faisais une et l'autre pour combler, pour faire les deux en même temps, pour avoir un peu de stock dans les deux, parce que des fois il n'y en avait pas beaucoup d'un côté, plus de l'autre, et des fois un peu et un peu. Donc du coup moi Scrapbooking Boutique et Scrap New Edge, je les kiffe. Niveau chipboard, je kiffe. Après ils font des papiers, ils font d'autres choses. J'avais pu tester les papiers glacés
passée de Scrapbooking Boutique, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'était juste super joli. J'avais fait un petit album super rapide, super facile. D'ailleurs, moi, je vais vous en refaire un dans le même style très bientôt en tuto. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Et la dernière boutique que je vais vous parler. Donc là, je vous parle de grosses boutiques. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo aussi par la suite pour les petites boutiques des scrappeuses que je connais et que je ne connais pas, parce qu'il y en a certaines que peut-être que je passe, enfin que je connais leur boutique mais que je n'ai pas passé commande encore, ou alors que voilà, toutes ces petites choses là si vous voulez, moi je vous en ferai une vidéo si vous le souhaitez, parce que j'ai déjà trois personnes que je côtoie qui ont des boutiques, mais c'est fort possible que j'en trouve encore deux autres, donc pourquoi pas, vous me direz en commentaire. Et la dernière boutique, c'est les Doigts de Fée. Donc les Doigts de Fée, j'ai commandé une fois, pareil, j'ai commandé il y a un petit moment, je ne sais même plus ce que j'avais commandé dessus. Ouais, oui j'avais commandé une fois, et en fait c'est une boutique où pareil on retrouve de tout dessus, et moi je l'aime beaucoup. Niveau prix, franchement c'est pas très cher, c'est pareil, ça expédie super rapidement, c'est juste génial. Donc avant, bien évidemment, j'avais plein de boutiques auxquelles je commandais que je ne commande plus. Maintenant je me concentre hein, on va dire les deux, sur ces boutiques là je ne veux plus m'éparpiller, ça me suffit. Il existe encore plein d'autres nombres de boutiques qu'on me parle de temps en temps, etc. Mais moi, je préfère rester sur ça. Et je vous avoue que les Doigts de Fée, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il me tarde de pouvoir recommander. Donc là, je ne vais pas recommander forcément tout de suite, parce que déjà, j'ai plein de projets à faire avec ce que j'ai. Mais très bientôt, je vais recommander sur d'autres petites choses. Sachant que je viens déjà de craquer, là, vendredi, j'ai déjà craqué sur Scrap Colors. Donc du coup, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est vraiment mes 5 boutiques favorites que moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop fan de ces boutiques. Et n'hésitez pas, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Les liens, la plupart du temps, de mes boutiques favorites sont toujours en barre d'infos. Si vous voulez un lien, hop, vous cliquez dessous, vous appuyez sur la barre d'infos, vous cliquez tout en bas, vous aurez tous les liens. Donc les liens pour me contacter, les liens de ma boutique, le lien des boutiques favorites, et il y a un code promo aussi un descriptif sur des produits beauté. Voilà, voilà. Donc c'était une petite vidéo. Merci beaucoup Amélie de m'avoir d'avoir accepté que je puisse faire cette vidéo aussi, qui est la chaîne en première. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne encore une fois. Moi, je vous fais des gros bisous. Peut-être c'est une découverte pour vous, pour certaines boutiques. En tout cas, si c'est le cas, je suis très contente. N'hésitez pas à aller la voir, à voir les boutiques. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, encore une fois. Moi, je vous force à rien. Je vous parle juste de mes petites vidéos favorites. Enfin, mes boutiques favorites. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.